L'aventure indienne a commencé à New Delhi. Direction maintenant la ville bleue de Jaipur. Nous prenons le temps de nous familiariser avec certaines réalités indiennes avant de partir à l'assaut du fort de Jaipur. Go! Okay! You can smile, huh? L'espace de quelques heures, nous quittons la ville pour une virée dans la campagne avoisinante. Ici, on est à Pushkar. C'est une petite ville du Rajasthan, mais c'est aussi un haut lieu de pèlerinage pour les hindous. Et apparemment, selon la légende, Brahma aurait déposé un lotus et c'est à partir de là que la ville se serait développée. Bon, le gars, il m'a vendu ça un peu comme le remède pour pas avoir mal au bide en Inde. Je reste un petit peu sceptique, mais comme j'aime bien tenter de nouvelles aventures, bah on va essayer, on va voir ça. Ah, déjà, il faut réussir à l'attraper. Il y a de la patate à l'intérieur, des petits piments. On peut pas dire que ce soit très agréable à mettre dans la bouche. Mais ça a l'air d'être nourrissant. Je suis pas emballé. Ce matin, en fait, on est assez impatient parce qu'on va enfin voir le Taj Mahal. On est parti! Bon, on a quitté Agra hier soir à minuit pour rejoindre Varanasi et ça fait bientôt 8 heures là qu'on est dans le train, ça commence à être un petit peu long, sachant qu'en plus hier soir on n'a pas réussi à choper
des places dans des wagons plutôt sympas. Du coup, on s'est retrouvé dans la sleeper class. C'est ce qui est bas de gamme, premier prix en termes de transport dans les trains en Inde. Et ouais, la nuit a été un petit peu rude. Nous voilà à Varanasi, l'une des sept villes saintes de l'hindouisme. Là, il a plu un petit peu, et ça commence à être le gros bordel. C'est impossible de circuler, là-bas c'est bloqué, nous on doit se rendre un peu par là. On voulait prendre un rickshaw, mais là je pense qu'on va y aller à pied. C'est ici, sur les berges du Gange, que les pèlerins viennent se purifier et accompagner la crémation de leurs proches grâce à de petites plateformes qu'on appelle les ghats. Après avoir traversé pas mal de ghats où on a vu que des hommes se baigner, ici apparemment ça semble être un endroit réservé aux femmes. Du coup, ça surprend parce que c'est plein de couleurs, elles sont là avec leurs saris, enfin, en train de se purifier, en train de célébrer, et c'est assez impressionnant. Nous croisons ce pêcheur en train de préparer le repas de midi. Yeah, very good, original litty. Original litty, this is nice to litty. They are coming from Rewa State, MP, okay. From Madhya Pradesh. And this is the call, family thing. They make funeral ceremony. This is especially, this month, 15 days, a special funeral ceremony. On a quitté la chaleur et la frénésie de Varanasi pour prendre un petit peu d'altitude et arriver jusqu'à Darjeeling. C'est une ville d'environ 120 000 habitants, perchée à plus de 2000 mètres d'altitude. Et ici, c'est complètement différent de ce qu'on a pu voir depuis le début en Inde. La population est différente, l'ambiance est beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Et en fait, c'est assez agréable. Donc on va profiter un peu de l'endroit. Dans une plantation de thé, et plus précisément à la Happy Valley Tea Plantation, c'est la plus proche de Darjeeling. Les cueilleuses sont juste à côté de moi en train de me regarder, et donc c'est ici qu'est récolté le fameux thé de Darjeeling. Là, on s'apprête à embarquer dans le Toy Train, le train jouet. C'est un train qui serpente la montagne au niveau de Darjeeling pour rejoindre Kursong un petit peu plus bas, autrefois à Siliguri, mais bon, à cause d'éboulement, en fait, maintenant, c'est plus possible. Allez, venez, on y va. We'll be right back.
ici, sachant que c'est la région où on fait les meilleurs momos. C'est un peu l'aspect des goïsas japonais, sauf que c'est pas frit, c'est juste cuit à la vapeur, avec une petite sauce chili. C'est vraiment bon, avec des petits oignons, juste cuisinés, très simple, efficace, très bon. C'est à Kursong qu'une usine à thé a accepté de partager son savoir-faire. Après une première étape de flétrissage, les feuilles sont roulées. Elles sont ensuite mises au repos pendant 1 à 3 heures pour la phase de fermentation. Un passage à très forte température conclut le processus de transformation. Une dernière étape consiste à trier les feuilles en fonction de leur taille avant l'empaquetage et l'exportation. Le chauffeur de tuk-tuk qui m'a donné un peu de tabac à chiquer. Je suis moyennement confiant, mais allez, on essaye. Oh là. Oh. C'est pas terrible. À New Delhi, cette métropole très surprenante. J'espère pour ceux qui tenteront le voyage comme nous que vous apprécierez la ville bleue de Jaipur, le Taj Mahal, que vous goûterez à la ferveur de Varanasi et que surtout vous irez prendre un peu d'air dans les plantations de thé de Darjeeling. Bonne route! Thank you.